Dis-moi Catherine, est-ce que j'en sais quelque chose? Puisque je suis dans ce beau théâtre, autant parler de l'auteur. Je suis auteur, romancier, d'une trentaine de livres, et en collection générale et pour la jeunesse. De temps en temps, je fais des incursions dans le cinéma, dans la chanson et dans le spectacle vivant. Donc voilà, principalement auteur. Et depuis une dizaine d'années, je m'autorise à dire interprète aussi. Interprète de mes propres textes, puisque assez souvent j'ai l'occasion de monter sur scène, soit pour faire des lectures de mes textes, j'adore ça, soit pour participer à des spectacles inspirés de mes textes. Voilà. Alors, La Place du Cœur, c'est une série que j'ai publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et on suit une tribu d'adolescents de Charlie Hebdo jusqu'à la campagne présidentielle. Donc, tous les émois que l'on connaît à l'adolescence, et notamment l'éveil à la sensualité, à la sexualité, à l'amour, et aussi la découverte que ce monde est sauvage, avec les attentats de 2015, avec la montée de l'extrême droite. Comment est-ce que ces adolescents rentrent et dans l'amour et dans l'histoire, dans cette contradiction, en somme? C'est une commande de Ludovic, le directeur du Bateau Feu, m'a proposé d'adapter pour la scène cette saga à La Place du Cœur. Et donc, ça va être en janvier une soixantaine de lectures dans l'agglomération et début février, une journée ensemble où vont être joués tous les chapitres que j'ai adaptés de la saga. Voilà, et que j'ai appelé 13 parce que ça se passe le 13 novembre 2015.